السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صح فطوركم، وصح شريبتكم، وصح حريرتكم، وصح الكونفينمون. اللهم عجل بالفرج يا رب العالمين، اللهم فرج علينا يا رب العالمين. إخوتي الكرام، أيها المتابعون، ننتظر بقية المتابعين. mettre le lien pour le colis pour le Ramadan. Je sais pas de quoi tu parles mon frère. Est-ce que je peux mettre le lien pour le colis pour le Ramadan? Quel lien? Antum huna? As-sawt masmou' inshallah. Umourkoum tayyiba. Labas alaykoum. Vous allez tous bien? Tout le monde va bien? La famille, les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Marhaban bikoum. Couli alimentaire, c'est quoi ce solidarité Ramadan? C'est ça? C'est ça que tu parles, mon frère? Je vous attends, moi. On commence, Inch'Allah, en plus, موضوع ما شاء الله موضوع شيق اليوم في الترغيب c'est un beau sujet aujourd'hui ما شاء الله on va commencer une chaîne aujourd'hui ce soir ان شاء الله تعالى ما شاء الله vous allez profiter بإذن الله donc soyez présents et patientez un peu avec moi بارك الله فيكم on va commencer ان شاء الله تعالى نبدأ على بركة الله. Est-ce qu'on commence, Inch'Allah? Vous êtes là, vous êtes bien posé, vous êtes dans le calme, tranquille. Je n'entends pas très bien. Tu t'entends. لا تسمع جيدا طيب. أين الصوت؟ الصوت يا أخي ما شاء الله الصوت يعني. والآن تسمعني جيدا؟ Est-ce que tu m'entends maintenant? Un peu plus fort le son, une fois de la taille. En fait, c'est moi qui dois crier. Dans les acquêtes de fin de Ramadan. Attends, mon frère, c'est pas la fin. Pourquoi tu nous parles de fin de Ramadan, Allah yadik, hein? Pourquoi tu nous parles à qui doit donner la zakat de fin de Ramadan? Pourquoi tu parles de la fin de Ramadan et tu... Non, on verra ce qui reste Ramadan. On est bien, mashallah. Donc, ces questions-là, laisse-la au bon moment, mashallah. Est-ce que vous m'entendez bien là? De ton côté, tu t'entends bien, mashallah, mais je sais pas. Bref, ma'alaych, inshallah, on va faire avec, bi'idhnillah. Un beau sujet, mashallah. Vous allez profiter, bi'idhnillah. Et une chaîne, à partir de ce soir, inshallah, on va commencer quelques halaqat. Quelques halaqat, on va parler sur ce sujet-là. En tout cas, moi, je vais commencer, inshallah. بسم الله
وعليكم السلام ورحمة الله أخي. أيها الإخوة، رمضان شهر يذكرنا بالجنة. الجنة، هل نسيتم الجنة؟ هل نسيتم الجنة؟ اسمع ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله أكبر. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. التقوى يا أخوة يا أخوات، التقوى. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui nous rappelle, est un mois qui nous rappelle le paradis. Vous avez oublié le paradis ? Le paradis. Al-Jannah. Le paradis. Éternel. Il y a beaucoup de choses à dire. Écoute qu'est-ce qu'il dit Allah Azzawajal sur le paradis. Allah dit, ce sont les jardins d'Aden promis par Ar-Rahman. La promesse d'Allah est vraie. Les cléments à ses serviteurs, ce sont les jardins d'Adam, promis par Ar-Rahman, les cléments à ses serviteurs. Sa promesse sera sûrement accomplie. Là, ils n'entendront point de propos futiles. Seul le mot « paix » résonnera. Il n'y a pas d'angoisse dans le paradis. Il n'y a pas de malheur dans le paradis. Il n'y a que du bonheur. Ils recevront leur nourriture matin et soir. Tel est le jardin du paradis que nous accordons. Écoutez celle-là, la dernière. Tel est le jardin du paradis que nous accordons aux pieux parmi nos serviteurs. La piété, la taqwa, la piété. Oh Allah, donne-nous la piété. Wallahi, ikhwa, croyez-moi, la piété, la taqwa, ce n'est pas une parole qu'on le dit. Wallah. Wallah. Qala ibn Kathir, qawlu Allah ta'ala, tilka al-jannatu allati nourithu min ibadina man kana taqiyya. Ay hadhihi al-jannatu allati wasafaha, wasafna bihadhihi al-sifati al-azimah, hiya allati nourithuha ibadana al-muttaqin. Man haula al-muttaqun? Isma' قال وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى قولوا أمين من كان تقيا من كان تقيا وما فرض الصيام على العباد إلا ليحققوا التقوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اسمع ماذا يقال للصائمين في الجنة
في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الدنيا. وقال مجاهد هي أيام الصيام، فكما امتنعت عن الأكل والشرب في نهار رمضان لله طاعة لله ترجو ثواب الله، فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجازيك في الجنة ويقول لك كل واشرب هنيئا هنيئا لك هنيئا لك. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى دي tel est le jardin du paradis que nous accordons aux pieux parmi nos serviteurs. Ibn Kathir commente sur ces versets et dit: ces jardins avec tout leur et félicité seront donnés en héritage aux serviteurs qui craignent Allah, qui lui obéissent aussi bien dans l'aisance que dans le dignement, qui maîtrisent leur colère. Ça, c'est la description des serviteurs d'Allah, des gens pieux, qui maîtrisent leur colère, qui pardonnent aux autres. Ils ont un cœur sain. Qui pardonne aux autres. Il dit aussi, comme Allah le dit dans le début de la sourate Al-Mu'minun, les croyants, bienheureux seront les croyants qui accomplissent leurs prières avec recueillement et humilité. Jusqu'au verset, ceux-là seront le vrai héritier. En effet, ils hériteront les hauts lieux du paradis où ils demeureront toujours éternels. Allah Azza wa Jal leur a prescrit le jeûne afin qu'ils atteignent ou la crainte révérentielle d'Allah. Allah dit: ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations qui vous ont précédé. Peut-être craindrez-vous Allah. Peut-être craindrez-vous Allah. Naam, c'est pour ça que tu jeûnes, pour avoir la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute ce qui dit au jeûneur dans le paradis. Allah Azza wa Jalla dit: il jouira d'une vie agréable, agréable. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin situé très haut et dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez. Mangez et buvez en paix, en récompense de ce que vous avez accompli dans le jour passé. C'est-à-dire, cette récompense est due pour vos bonnes actions passées dans la vie d'ici-bas. Mujahid dit: les jours passés sont le jour où ils jeûnaient sur terre. Comme tu te prives aujourd'hui de ne pas manger et de ne pas boire, tu te prives de manger et boire pour Allah. Tu attends la récompense d'Allah. C'est parce que tu as la foi en Allah. Et bien Allah dans le paradis, subhanahu wa ta'ala, et les anges aussi, ils te disent: mange et bois. Mais là, tu manges et tu bois pour le plaisir. Pour le plaisir. Vous m'entendez les frères? Vous êtes là avec moi? Moi, je suis parti là, je suis décollé là. Est-ce que vous êtes pareil dedans, inchallah, dans l'ambiance de paradis et tout? Dites-moi, barakallahu fikou. فيا من يريد الجنة يا من يريد الجنة ها هي أبوابها الثمانية مفتوحة في هذا الشهر الفضيل.
يا من تريد الجنة، ها هي أبوابها الثمانية مفتوحة في هذا الشهر الفضيل. قال الله تعالى: جنات عدن مفتحة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. اللهم افتح لنا أبواب الجنة، آمين. قال صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. بل هذه بشرى لكم أيها يا أهل الصيام، إنكم تنادون يوم القيامة لتدخلوا من باب خاص، باب خاص لمن؟ لأهل الصيام. وهذا الباب له اسم خاص، ما هو اسم هذا الباب يا ترى؟ اسمع إلى الجواب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. الله أكبر، لا يدخل أحد، لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. بشرى والله لنا أيها الإخوة والأخوات، سبحان الله. وتوا كيف لو paradis qui son rêve dans ce bas monde, c'est la satisfaction d'Allah et qu'Allah lui fasse rentrer au paradis. Les 8 portes de paradis sont ouvertes dans ce mois béni. Allah dit: les jardins d'Adam, dont les portes leur seront ouvertes. Oh Allah, ouvre-nous les portes de paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit: lorsque vient le premier nuit de Ramadan, les diables et les djinns rebelles sont enchaînés. Les portes de l'enfer se ferment sans aucune d'elles ne s'ouvre. Les portes du paradis s'ouvrent sans aucune d'elles ne se ferme. C'est une bonne nouvelle pour les jeûneurs. C'est quoi cette bonne nouvelle? Encore que de bonnes nouvelles ce soir. Écoutez. Le prophète sallam a dit: il y a certes dans le paradis une porte que l'on l'appelle ou que l'on appelle Ar-Rayyan. Une porte spéciale, il s'appelle Ar-Rayyan. C'est par elle que les jeûneurs vont entrer dans le paradis. Et personne d'autre que n'y rentrera par elle. Spéciale. Porte de paradis spécial jeûneur. Subhanallah. Lorsque le dernier des jeûneurs sera rentré, cette porte sera fermée. Cette porte sera fermée. Celui qui entre boira. Et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Est-ce une bonne nouvelle ou pas? C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand tu as soif, la journée de Ramadan ou ta faim, rappelle-toi, le paradis est la porte Rayyan, la porte de paradis. Dès que tu rentres de cette porte, tu bois et tu n'auras plus jamais soif. Bonheur éternel, délice éternel. فيا من تريد دخول الجنة من باب الريان ومن جميع الأبواب، عليك بطاعة الله، إلزم طاعة الله
واجتهد في عبادته وابتعد عن معصيته لتنال الجنة برحمة الله مع من اختارهم الله وأنعم عليهم من عباده وأصفيائه. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم واجمعنا بالأنبياء والصالحين في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. الجنة فيها الله دي à celui qui veut rentrer au paradis par cette porte et par le reste de porte, il te dit Allah Azza wa Jal, fais des bonnes œuvres, adore-moi seul, unique, parce que celui subhanahu wa ta'ala qui mérite l'adoration, fais des efforts, fais des bonnes œuvres, cherche à faire des bonnes œuvres partout, avec tes proches, avec les gens loin, partout. T'as pas le temps pour faire du mal. Toi, t'as le temps que pour faire du bien. Et Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, ceux qui obéissent à Allah et son prophète sont au nombre de ceux que Dieu a comblés de bienfaits avec les prophètes, les justes, les témoins et les saints. Voilà une belle assemblée. Tu veux pas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te réunisse et te fasse rencontre avec ces prophètes et ces gens pieux, avec des hommes véridiques. Tu ne veux pas qu'Allah Azzawajal te fasse rentrer au paradis et qu'il soit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui tu crois en lui, tu as la foi en lui, et tu as étudié sa sira, ou tu aimerais bien le voir. Ça ne te manque pas. Ça ne te manque pas le paradis. Ça ne te manque pas que de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Oui, 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 oui. Al-Jannah. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صف لنا الجنة يا أخي يرحمك الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. Il y a au paradis ce que nul œil n'a jamais vu, nul oreille n'a entendu, nul esprit n'a imaginé. Alors décris-nous le paradis, s'il vous plaît. Eh bien, je vous dis, oui, Inch'Allah, je vous décris le paradis, mais pas ce soir. Demain, Inch'Allah. Soyez présents, soyez motivés et profitez du rappel, car c'est les croyants qui profitent du rappel. Allahumma, ya hayyu ya qayyum, ya dhal jalali wal ikram, as'aluka al jannah. وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اهدي قلوبنا واشرح صدورنا، يسر أمورنا، اقضي حوائجنا، اشف مرضانا، عافي مبتلانا. يا الله ارفع عنا هذا البلاء، يا رب ارفع عنا هذا البلاء. هو الله في نغطخي وبغادي avec nos parents, avec tous ceux qui nous aiment. Ya Allah, fais-nous rentrer au paradis et éloignez-nous de l'enfer. Ya Allah, aide-nous à accomplir la salate et à faire de bonnes œuvres. Ya, pour que tu sois satisfait de nous et que tu nous fasses rentrer au paradis. Oh Allah, purifie la terre et les corps de cette épidémie. Oh Allah, guéris tous ceux qui sont tombés malades à cause de cette épidémie et le reste, et tous ceux qui sont malades. Allahumma amin. أمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. مشيخ خيسير، الصلاة العشاء، صلاة العشاء ثم التراويح ثم الدعاء. La prière de l'Isha, mes chers frères et sœurs, c'est bien de parler de paradis, mais il faut faire les causes pour entrer au paradis. Et surtout la prière. La prière de l'Isha, Tarawih et Dua. Qu'Allah nous aide tous. Barakallahu fikum. Wa astaudi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.
Voilà, tenso. N'oubliez pas de activer la notification et partager pour que vous gagnez du ajr vous aussi. C'est pour vous ça. Tu partages, tu fais que tu seras une cause d'écouter la bonne parole et tu gagnes le ajr inshallah. Salam alaykoum wa rahmatullah.